Alors pourquoi je ne parle pas de mes projets aux membres de ma famille? Alors tout simplement qu'en fait, c'est pas lié directement aux membres de ma famille, c'est tout simplement que en fait, je ne parle pas de mes projets à toutes les personnes qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur. Okay, ça veut dire quoi le mindset d'entrepreneur? Ça veut dire l'état d'esprit d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je parle de mes projets qu'à des gens qui sont déjà millionnaires ou des gens qui ont déjà une grosse réussite. Non, je parle seulement, je peux parler à des gens aussi qui ont déjà l'état d'esprit. Tu vois, je t'ai parlé des habitudes, tu vois. Tu vois tout de suite une personne qui va devenir riche dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Okay? Parce qu'elle a déjà les habitudes qui vont lui permettre d'être riche. Et ce genre de personnes-là, je vais parler avec elles de mes projets parce que je sais qu'elles ont l'état d'esprit d'un entrepreneur et donc que c'est qu'une question de temps pour pouvoir avoir de gros résultats. Okay? C'est comme la personne qui est, imaginons, obèse. Si jamais tu vois une personne qui est obèse, mais tu vois que tous les jours, elle mange super sain, super propre fruits et légumes et tout machin, bon, bah, tu sais que cette personne-là, dans 1 an, elle sera au top. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de magie, mais ça ne vient pas du jour au lendemain, effectivement. Mais bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc du coup, oui, non, je ne parle pas aux gens de ma famille parce que, eh ben, ils vont te décourager, tu vois. Ça va te décourager, ce n'est pas méchant, tu vois. C'est juste qu'eux, ils vont se projeter en toi et vont te projeter, en fait, les peurs qu'ils ont pour toi et leurs peurs aussi qu'ils ont si jamais ils étaient à ta place. Ok, par exemple, moi, je sais que quand je voulais, en fait, basculer entre ma société d'infirmiers et commencer ce que je suis en train de faire là maintenant, ben, au début, ben, je partais à zéro, quoi. Ok, je partais à zéro, je charbonnais beaucoup, je travaillais beaucoup parce qu'en plus des heures que je faisais en tant qu'infirmier, je m'enfermais dans mon bureau, devant mon ordinateur et je travaillais beaucoup, tu vois. Et ma mère, en gros, ben, elle comprenait pas trop, tu vois. Je disais, voilà, pour l'instant en tout cas, ce qui te fait vivre, c'est grâce au métier d'infirmier. Et donc voilà, c'est un petit truc comme ça, mais tu vois, ça t'ébranle un petit peu. Si après, c'est obligé de te refocus, tout ça, c'est relou, tu vois. Et c'est pareil, par exemple, quand je voulais commencer cette chaîne YouTube, j'en avais parlé à un membre de ma famille, il m'avait dit, ah ouais, mais c'est super chaud. Mec, t'as vu la concurrence qu'il y a sur tout ce qui est indépendance financière ou tout ce qui est argent, tout ce qui est entrepreneuriat, laisse tomber, ça va être chaud, tu vois. Et là, ça te casse, tu vois. Parce que ça peut faire remonter des peurs que tu as en toi, ça peut te mettre des doutes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des doutes? Ben, t'es paralysé, tu fais rien, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que j'évite de dire ce que mes projets, vraiment, ce que je veux faire, à part si la personne a le bon état d'esprit, tu vois. Donc là, au fur et à mesure, ma mère, comme elle voit les choses que je fais, elle voit les résultats, je peux déjà plus lui parler, mais je peux pas lui parler vraiment de tous les trucs, tu vois. Parce que mes objectifs sont toujours plus élevés et elle va bugger, tu vois. Et je te parle même pas de tout ce qui est cousin éloigné, etc., etc. Bah là, je te parle même pas. Sinon, là c'est carrément rigoler. Ils vont rigoler, tu vois. Ils vont faire les mêmes commentaires que, tu sais, les commentaires que tu as quand tu mets des pubs sur le business, sur Facebook. Tu vois, ils vont dire, mais n'importe quoi, c'est pas possible, c'est une arnaque, etc., etc. Ok, donc voilà un peu pourquoi je ne partage pas mes histoires, mes projets aux gens de ma famille, aux gens de mon entourage.